Salut à tous les loulous, ici le commandant Hyrule sur cette vidéo explicative de l'aventure communautaire sur Elite Dangerous. J'avais fait 4 épisodes sur Elite Dangerous où je découvrais le jeu, ça y est, je commence à maîtriser un peu cette bête sauvage et je vous propose tout simplement une aventure communautaire. Une aventure communautaire, qu'est-ce que c'est ? Vous allez pouvoir choisir la voie que je vais emprunter. À la fin de chaque épisode, vous pourrez voter pour savoir si vous voulez que je devienne un chasseur de primes ou je dois traquer les pires gangsters de la galaxie, si je dois rejoindre une faction et participer à une guerre civile dans un système solaire pour défendre une faction, si je dois être un simple marchand transportant des marchandises au péril de ma vie, ou si je dois être un contrebandier pour trafiquer des denrées illégales mais rares et qui rapportent de gros bénéfices. Vous allez pouvoir choisir la voie que je vais emprunter. Et à la fin de chaque épisode, on revotera pour savoir si vous voulez qu'on continue dans cette voie ou si vous voulez qu'on change de voie. Pour faire ça, il faudra regarder dans les commentaires, dans la description de la vidéo, il y aura un lien qui ramènera vers la page Facebook et je me débrouillerai pour mettre un petit quelque chose pour pouvoir voter. Ensuite, de temps en temps, il y aura un épisode communautaire, parce que je dis que c'est une aventure communautaire, où vous pourrez jouer avec moi si vous avez le jeu Elite Dangerous. N'hésitez pas à m'envoyer une requête d'amis, mon pseudo c'est Hyrule avec un 3 à la fin, H-Y-R-U-L-3. Je les accepte tous, pour le moment j'ai déjà reçu pas mal de demandes d'amis, une petite dizaine, et encore mieux, j'ai créé un groupe privé. Alors si vous avez le jeu, vous êtes dans amis et groupe privé, groupe, cherchez des groupes, et vous cherchez Hyrule, vous demandez une invitation dans ce groupe, elle sera acceptée automatiquement, il y a déjà 5 membres qui ont rejoint le groupe Hyrule. Et tout simplement, quand on joue en groupe privé, il n'y a que nous dans l'univers, avec l'IA bien sûr. Donc nous pourrons faire des missions communautaires, aller chasser des gangsters ou des pirates dans les sites d'extraction. On pourra faire plein de choses et dans ces vidéos, vous serez là, on vous entendra et on verra la communauté jouer et ça va être super sympa. Pour jouer en même temps à Elite Dangerous, nous avons maintenant un serveur TS grâce à Illurion. Je vous mets là à l'instant, au moment où je pars, ça devrait s'afficher quelque part, une capture d'écran ou quoi que ce soit, avec l'adresse IP du serveur. Quand je joue en général à Elite Dangerous, je suis aussi connecté sur le serveur TeamSpeak de Illurion, où nous avons 2 salons dédiés uniquement à la communauté. Et donc n'hésitez pas à vous connecter et à venir me passer un petit coucou, je suis toujours là et je suis toujours... partant pour venir parler avec vous. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo de présentation qui était vraiment très courte. Je vous ai expliqué beaucoup de choses, n'hésitez pas à la regarder. J'espère que ça vous a plu et que l'idée vous plaît, en tout cas qu'on puisse jouer tous ensemble dans ce jeu, se faire des combats de vaisseaux et tout, ça a l'air vraiment sympa. Je mettrai dans les commentaires, dans la description, un lien qui ramènera vers les indications pour vous connecter sur le serveur TS de Illurion. Et n'hésitez pas à voter pour savoir quelle voie vous voulez que je commence à prendre pour ce premier épisode qui aura lieu très bientôt. Et voilà les loulous, c'est fini. Moi je vous dis à la prochaine. Salut les loulous!